Karim Sugar, bien sûr, chaque année, il y a des nouveautés, des spécificités. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'édition 25 de la Coupe Lail Imrihim? Alors, bien entendu, la 25e édition de la Coupe Lail Imrihim attire encore une fois cette année de grandes joueuses du circuit européen. Donc, nous recevons la tenante du titre, Ginny Haglin, qui est venue donc défendre son titre. Et il y a également Nuria Itorios qui a déjà gagné la Coupe Lail Imrihim auparavant. Laura Davis qui est connue au niveau mondial. Becky Brewerton. Bref, beaucoup de joueuses, beaucoup de grandes joueuses du circuit européen. Et bien entendu, il faut parler aussi de la participation marocaine. Donc, c'est notre pro-être Maha Hedjioui qui va défendre le Maroc sur ce tournoi. Et nous avons aussi deux joueuses amateurs, Lina Belmate et Ntissar Rich, qui ont été invitées pour jouer cette coupe. Juste un petit mot concernant le parcours, parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés. Ma question consiste à savoir par quoi justement la qualité d'un parcours. Alors le parcours a connu quelques le parcours bleu de Dar es Salaam a connu quelques changements, donc des agrandissements de green avec un peu plus de relief, ce qui complique un peu le jeu au niveau du potting. Les parcours ont aussi été allongés, c'est-à-dire que les départs ont été reculés un peu. Et puis on reconnaît aussi la qualité du parcours quand on voit la journée qu'on a passée donc pour le Pro-Am sous la pluie et qui n'a pas connu d'arrêt de jeu. Ça veut dire que les travaux de drainage ont été très bien faits et que le parcours est en excellent état.